Ah, celui-là, je l'attendais depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est tout simple. C'est Diablo 3. Et oui, après 12 ans d'attente de très très longues années, Blizzard nous sort le troisième épisode de Diablo 3. Et je vais vous présenter aujourd'hui le unboxing de l'édition collector, de mon édition collector, parce que je me suis dit, je vais faire ma propre édition collector avec un poster et la souris officielle de Diablo 3. Et bien entendu, là-bas, l'édition collector que j'ai eu un peu de mal à trouver, parce qu'en Suisse, il paraît qu'il y avait que 130 pièces de l'édition collector. Donc c'était un peu difficile à en avoir... en Suisse romande, mais tout d'abord je voudrais remercier le gérant de WePlayBox qui m'en a gentiment mis une de côté et qui me permettra de vous faire cette vidéo. Donc salut tout le monde, c'est Kegelman, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de mon édition collector de Diablo 3. Donc j'ai juste, hop, en plus j'ai un joli poster parce que je l'avais précommandé à la Fnac et ils en avaient pas assez. Donc, j'aurais dû aller plus tôt le matin, mais les vendeurs m'ont annoncé la triste nouvelle, comme quoi ils en avaient plus. Alors, il est encore dans le plastique, hein, on va l'ouvrir ensemble. Mais tout d'abord, avant de passer à ça, on va voir un peu la petite souris. Donc c'est la souris officielle hein, de Diablo 3 qui était déjà en vente bien avant la sortie officielle du jeu. Donc c'est une SteelSeries, c'est la Xai. Donc c'est une version du Diablo 3. Et franchement c'est une souris de très 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 bonne qualité. Je vous invite fortement à aller voir les tests sur les numériques par exemple. Et en plus la boîte elle est vraiment de très très bonne qualité. Donc on va vite l'ouvrir et comme ça vous pouvez un peu voir la qualité du produit. Donc aujourd'hui c'est vidéo unboxing vraiment très très spécial parce qu'aujourd'hui officiellement le 15 mai sortait Diablo 3. Alors là je vais essayer d'enlever ce petit truc sans rien abîmer. Voilà, quand je dis sans rien abîmer, je viens d'abîmer. C'est des scotch très très puissants. Enfin bref, la boîte je la garderai parce qu'il y a un petit aimant très sympathique. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc le poster, il est recto verso, on a Diablo. Et de l'autre côté, on a l'archange Tyrael, celui qui nous suivait au périple de nos aventures dans le deuxième épisode. Donc, voyons voir cette souris d'un peu plus près. C'est aussi la première fois que j'ouvre la boîte. Hein. Alors, hop. Voilà, donc c'est une SteelSeries, je le répète, c'est une Xai, donc très très bonne, très très bonne souris. Naufrag aussi avait fait un test de la souris, et la particularité c'est que hop, quand on l'allume, il y a le petit Diablo 3 qui s'allume et qui change de couleur, et elle est vraiment très très belle dans le noir. Et je vais l'utiliser quand je jouerai à Diablo 3. Et pour les autres FPS, pour les autres jeux, j'utiliserai ma souris G300 comme d'habitude. Un petit cordon pour éviter que tout s'en mêle. Donc franchement, qualité de finition irréprochable. Donc du SteelSeries, c'est vraiment du très très bon matos.
C'est ma deuxième marque que je préfère. Enfin, la troisième marque que je préfère après Logitech et Razer. Après, je prends du Stifferi. Donc voilà, hein. Très très belle souris. Au fur et à mesure, bah, vous verrez sans doute petites images de la vidéo de la souris en couleur. Je sais pas si je le mettrai en bonus ou je le mettrai au montage. Enfin bref, c'est pas le plus important ça. Le plus important, c'est qu'on fasse le déballage de ceci. Oula, c'est tombé. De la fameuse édition collector. En voyant comme ça, c'est vraiment très gros en fait. Donc le contenu, on le voit à l'arrière, il y a énormément de contenu. Faut dire que le prix n'est pas très donné hein, de cette édition. Donc je remercie encore infiniment WePlayBox. Je leur ferai part de cette vidéo, bien entendu. Donc, parce que j'ai eu énormément de soucis à trouver une édition collector. Donc là, on enlève le plastique ensemble. Alors, le papier, papier de bonne qualité, papier glacé. Et donc, maintenant, on va rapprocher un peu la caméra. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit bien. Comme ça, c'est tout bon. Voilà. Ah, c'est bon, c'est parfait. Alors, au toucher, c'est vraiment du... On sent bien les graffitis. Ça, j'aime bien dans des éditions collector. Je pense que c'est avec celle de Valorich. C'est l'édition collector la plus fournie. Donc, la boîte s'enlève par le haut. Donc, on a énormément de choses. Et je pensais pas qu'on ait un artbook aussi conséquent. Donc, l'artbook de Diablo 3. Donc, on a notre meilleur ami qu'on risque d'avoir. Donc, plastifié. On va l'ouvrir ensemble aussi. Donc, cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais je pense que... Il n'y a rien de mieux que de vous partager ma joie de faire cette ouverture avec vous. En plus, une ouverture un peu spéciale, un peu différente des autres ouvertures qu'on peut retrouver sur Internet. Parce que là, je vous présente, il y a le poster à l'arrière, il y a la souris et tout ça. Et donc, ça peut pas être plus mal. Alors, livre de très très bonne qualité. En plus, on sent, quand on passe le doigt dessus... Bah, on sent vraiment les motifs, hein. Donc je suis déjà très content, et pourtant c'est le premier truc que je sors de la boîte. Donc un artbook de je ne sais pas combien de pages, ils le disent à l'arrière, ils le disent de 208 pages, donc il y a de quoi admirer le boulot de Blizzard, hein. Donc vraiment, là je suis vraiment très content. Donc je découvre avec vous, hein, je sais pas si on voit bien, donc voilà, comme ça. Donc je découvre avec vous cette édition, ben voilà, donc il y aura pas mal d'actes. Et ça promet énormément d'heures de jeu. Donc la présentation des héros, ce que j'adore chez Blizzard, c'est leur qualité... Leur esthétisme, leur souci du détail, parce que c'est un studio qui a beaucoup, énormément d'expérience dans le jeu vidéo. Et Diablo, bah, c'est une de leurs franchises vraiment phares, hein, avec Warcraft. Mais j'ai plus une tendance Diablo que l'autre franchise Warcraft. Hein. Et aussi Starcraft qui est vraiment très très bon. Les jeux stratégie. Franchement, les dessins sont vraiment de très très grande qualité. On les voit bien, hein, donc on voit bien sur la caméra. Bien entendu, j'espère que vous admirez tout autant que moi la qualité des dessins. Donc Diablo 3, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est un hack and slash. C'est plus connu, jamais y aller. Moi, ce que j'attendais de cet épisode, c'est sincèrement qu'il soit mieux que le 2. Qu'il n'y ait pas de gros changements au niveau du gameplay. Pas dépayser les puristes, hein, tels que je suis, mais de proposer une nouvelle expérience avec un nouvel univers graphique qui a été beaucoup contesté par les fans, parce qu'ils trouvaient que l'univers graphique était un peu trop le moine. C'est peut-être la classe que je vais utiliser, parce qu'elle se rapproche un peu plus du paladin, en fait, dans Diablo 2.
Donc la patte graphique a été énormément contestée parce que les puristes, les vrais fans de la saga disaient que ça faisait cartoon en fait. Et c'est peut-être pour ça que je vais aller plus vite. On est à quelle page là? En plus je les passe. C'est bien en fait. Je passe les pages et je discute. Hein. Donc ils disaient que les fans, les gros puristes disaient que l'univers graphique actuel faisait trop cartoon, ressemblait trop à World of Warcraft, parce que il faut pas le nier, World of Warcraft a certes son identité, a certes son univers graphique, son univers esthétique, son level design qui lui est propre, mais les fans n'étaient pas trop contents que Diablo 3 prenne cette direction. Et les développeurs avaient promis justement qu'ils allaient faire un effort et que ce qu'ils avaient vu lors de la présentation officielle du titre, je ne sais plus quand, il y a quelques années, ne représentait pas la qualité finale du jeu. Et donc ils avaient rassuré les fans de telle manière en leur disant que le Diablo 3 qui sortira sera sombre, sera glauque, sera toujours aussi dérangeant, parce que l'univers de Diablo est assez dérangeant et assez osé, je dirais, parce qu'il est plus mature que Warcraft, à mes yeux. Hein. Je le trouve plus mature et beaucoup plus sombre, et beaucoup, il a une meilleure identité à mes yeux que la saga de Warcraft. Hein. Je ne dénique pas la saga de Warcraft, étant un très très grand fan de Warcraft 1, Warcraft 2 et Warcraft 3. Je n'ai pas joué au MMORPG, mais je sais que le MMORPG suit l'histoire, continue l'histoire qu'on ait pu avoir, notamment de Frozen Throne, comme dirait mon ami Shine Virus. Donc là, je continue à papoter et je vous montre ce fabuleux artbook qui est vraiment de très très bonne qualité, que je pense que je me ferai un plaisir de regarder ça plein de fois sous ma couette. Donc là, vous avez une vision de ma couette. Et donc là, on est un peu à la moitié. Et franchement, Diablo 3, Diablo en général, est franchement un jeu à tester. Et on se prend pas la tête, en fait. C'est que quand on y joue, on s'intègre franchement dans cet univers assez particulier. Et assez dérangeant, comme je l'ai dit, hein, parce que y a les trois frères, hein, Diablo, Mephisto et Baal. On a tué Baal dans l'extension du 2, et Mephisto qu'on a tué dans le deuxième épisode, et Diablo qu'on avait tué une première fois dans le premier épisode, mais le héros, attention je spoil, bon, je fais une vidéo unboxing du 3 et je parle un peu de l'univers du jeu, et le héros dans le premier, avait pris la pierre d'âme de Diablo et se l'était foutu dans le crâne, et donc Diablo était revenu d'entre les morts. Donc là je parle et je continue à passer. Donc là il y a différentes classes à ce que je vois, donc avec on voyait un peu ma barre. Donc il y a les différentes classes. Moi, comme je l'ai dit, je prendrai certainement le moine, mais bien entendu, je referai volontiers l'aventure. Donc ça, c'est le moine. Je referai volontiers l'aventure avec d'autres classes, notamment peut-être le barbare qui m'attire, qui est bien bourrin. J'étais un grand friand du paladin. J'étais vraiment, j'avais des très très bonnes armes. Et j'avais reçu, je me souviens quand Joystick. Dans les magazines Joystick, il y avait carrément des sauvegardes spéciales. Spéciales, voilà, je vais parler des cinématiques après. Des sauvegardes spéciales concernant différentes classes. J'espère que tout ce truc, tout ce que je regarde, ne me spoil pas. Mais bon, vu que j'ai déjà un peu oublié de ce que je suis en train de regarder, ce qui est normal. Donc ça, c'est là, ouais, voilà, c'est Diablo, la nouvelle. Il faut vraiment les boules. Hein. Donc voilà, autre point fort du studio Blizzard, bien entendu c'est son esthétisme, c'est son design, c'est son caractère design très particulier, qui fait que
C'est un studio réputé pour ses cinématiques. Des cinématiques de très très grande qualité. Là, on est déjà à 14 minutes. Alors, là, on a... Je crois que ça, c'est la bande-son, et ça, c'est le jeu. Alors là, on va ouvrir le CD de la bande-son. La bande originale du jeu. Donc, je parlais des cinématiques, un des points forts, et j'espère également que dans ce troisième épisode, Blizzard n'a pas mis de côté les cinématiques précalculées, donc des cinématiques de très très grande qualité. J'espère qu'ils n'ont pas fait des cinématiques avec le moteur du jeu, parce que Blizzard est réputé justement pour faire de très très belles cinématiques. Et souvenez-vous, dans Diablo, donc on a deux, on a les scènes coupées en fait, ça c'est les scènes coupées. Donc ça c'est le making-of en fait, c'est pas la bande originale. Donc je m'empresserai de voir ça, donc il y a un Blu-ray et un DVD. Donc, je le regarderai sur ma PS3. Ma PS3 me sert aussi à regarder des Blu-ray. Donc là j'ai ouvert ça, le livre. Je parlais des cinématiques parce que au vu de certains trailers que j'ai pu voir du titre, donc c'est un jeu que je suivais de très très près quand il a été annoncé, et que j'attendais depuis la fin du deuxième épisode, donc il y a 12 ans, il y a très longtemps. Il fut un temps où j'étais jeune. Je me souviens en 2001, je m'étais cassé en fait le bras gauche, et l'extension était sortie. Si je dis pas de bêtises, ou c'était l'extension, le deuxième épisode, et j'y avais joué pendant ma convalescence, pendant mon récupérage de bras, et j'y avais joué tout le temps. J'avais vraiment bien geeké dessus, donc je parle de Diablo, tout ça, et ça me permettra de vous ouvrir cette fameuse jaquette que j'attends depuis très très longtemps. Alors, hop, voilà. Alors, j'ai parlé des cinématiques, j'ai parlé de l'univers, du jeu, le DVD. Donc, avec un vrai manuel. Moi, j'adore les manuels. Je sais pas vous, mais je suis pour les manuels, parce que c'est... ça apporte une identité au jeu, quoi. Ça explique. Maintenant, c'est des fois, je prends un exemple tout simple, hein, Call of Duty, hein, on a un simple papier. Et ça revient à ce que je disais dans mes autres vidéos, hein, on perd un peu ce que le jeu vidéo était. Hein. Quand je parlais de Half-Life, par exemple, les boîtes vertes et tout ça. Donc, je cache. des passes pour jouer à World of Warcraft, et là il y a les clés pour Diablo 1 et 2, enfin 2 et l'extension. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Donc là j'ai une petite boîte, je sais pas ce que c'est. Donc ça, pour moi, ça, tout ce que je vous présente là, c'est une vraie édition collector. Il y avait celle de StarCraft 2 aussi qui était vraiment pas mal. Je suis vraiment content là de cette édition collector. Je ne regrette pas du tout mon achat. Donc ça, en fait, c'est le crâne. Je le croyais un peu plus gros. Donc c'est le crâne de Diablo. Avec justement la pierre d'âme. Là-dedans, il y a en fait Diablo 2 et son extension. Dans cette clé USB. Et là, on a la petite pierre d'âme. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, donc on a la petite pierre BAM et son petit support USB. Franchement, moi je trouve ça vraiment super classe. Et moi j'apprécie ce genre de choses parce que les constructeurs, les développeurs prennent le temps de faire plaisir aux fans. Et on reconnaît justement ce que je disais, hein, on reconnaît la passion. Parce que là, il y a vraiment le souci du détail. Hein. Rien que les boîtes, rien qu'au toucher, ça fait plaisir d'avoir ça en main. Et ça motive aussi de vous présenter ce genre de truc. Donc là, c'est justement ce que je disais avant. C'est la bande originale
de Diablo, de Diablo 3. Donc, les musiques. Et justement, la saga Diablo est réputée aussi pour, non pas ses cinématiques, son gameplay légendaire, hack and slash, pour un clean click, tout ça, mais surtout pour sa fameuse musique, sa bande-son exceptionnelle, unique en son genre, et qui fait vraiment plaisir. Souvenez-vous, joueurs de Diablo 1, quand vous lancez le jeu, cette musique de Tristram, dring, 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 qui lance, qui annonce la couleur du jeu. Et j'espère que quand je lancerai Diablo 3, bah, il y aura cette musique. Je sais qu'il y aura cette musique remasterisée. Donc la bande originale du titre, hein, que je m'empresserai d'écouter également, parce que je mettrai peut-être au fond de cette vidéo unboxing, en arrière-plan, une petite bande-son de Diablo. Donc qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, donc je pense que je peux pas le... Voilà. Donc voilà, j'ai énormément parlé pendant 20 minutes, je vous ai présenté le unboxing de Diablo, et on va gentiment mettre les produits de façon qu'on puisse les voir. Donc voilà, je mets tout ici, hop, avec, comme ça. Et voilà. Et il manque plus que la souris ici. Donc voici mon édition collector de Diablo 3. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Parfait. Ça c'est mon édition collector Man in Pagan Man. Et en plus je fais une belle présentation. Il y avait tout ça dedans. Je vous ai présenté le unboxing de Diablo 3. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Et j'en ferai d'autres. Parce que j'aime vraiment présenter ce genre de trucs. Voilà, voilà, voilà. Et il est où Dark Pumba? Il est là. Dark Pumba, il est très content parce que il est dans son univers bien dark. Alors, on va faire un petit récap. Voilà. Hop. Et moi, je pense que j'ai fait le tour. Et on va enlever les plastiques et on va se quitter sur une vue du dessus, sur cette édition collector que j'ai vraiment apprécié déballer avec vous parce que ça m'a fait énormément plaisir. Et il faut dire que j'ai galéré à la voir. Donc voilà, on se quitte là-dessus. C'était Pagan Man et Dark Pumba. Je vous ai présenté l'unboxing de Diablo 3. De l'édition collector de Diablo 3 avec sa souris. Et je me répète, comme toujours, j'ai du mal avec les au revoir, mais c'est comme ça, parce que je suis un passionné. Allez, ciao et à la prochaine !